La partie arrière de la maison, qui n'était pas chauffée au début, servait de cuisine d'été. Elle portait d'ailleurs ce nom. À une époque, une multitude de souris y avait élu domicile. Papa se postait parfois dans un coin de la pièce et avec, oui, un fusil 410, il les descendait à vue. Ça faisait un bruit du diable et nous allions tous voir après chaque coup s'il en avait attrapé une. Ce genre de chasse n'a pas duré très longtemps. Papa a sûrement constaté le danger potentiel que représentaient ces coups de feu dans la maison. Il se contenta de pièges à ressort, ce qui était beaucoup plus sécuritaire. La glacière à nourriture était installée dans cette pièce. Elle servait de plus d'entrepôt et de garde-manger. Plus tard, le local fut chauffé et papa y aménagea son bureau en permanence. La partie fermée contiguë de la pièce servait d'entrepôt de bois de chauffage. C'était la « chaîne à bois » que nous devions remplir de croûtes de bois mou à chaque automne et que nous allions chercher au moulin à scie bondu de Notre-Dame de Pommée. Au début septembre 1942, j'entrais en quatrième année à l'Académie du Sacré-Cœur sur la rue de la Madone. J'avais alors 9 ans. La maîtresse était Laurette Lallier. C'était une petite bonne femme de 4 pieds, célibataire, et qui ne s'en laissait pas imposer. Elle avait une forte personnalité et nous menait au doigt et à l'œil. Mais nous avons appris à l'aimer, car elle avait une nature quand même attachante. Elle prenait son travail très au sérieux, et je me rappelle le jour où, lors de la visite de l'inspecteur du département de l'instruction publique, ce dernier lui remit en récompense de ses 20 ans d'enseignement un billet de 20 $. Elle était émue aux larmes et nous fûmes tous bien contents pour elle. La petite Lallier, comme nous l'appelions, vécut à un âge avancé, aimée de tous ses anciens élèves. It seems we stood and talked. Like this before, we looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. Afin de faire avaler à la population du Canada la couleuvre de la conscription, le gouvernement imposa vers 1943 un système de rationnement qui touchait principalement la viande, le sucre, le beurre et qui avait un effet psychologique sur les gens en les faisant ainsi participer aux conflits qui se déroulaient en des continents lointains. En réalité, il n'y avait pas de raison logique de restreindre la vente de bœuf, de porc, de poulet, qui était produit ici même au Canada en quantité amplement suffisante. Il en était ainsi du beurre. Quant au sucre, il provenait de Cuba en majeure partie et son approvisionnement n'était pas problématique. Mais le bon peuple goba cette politique comme étant un mal nécessaire. Chaque foyer, selon le nombre des membres
le composant, recevait chaque mois des livrets de timbres donnant droit à une quantité limitée de chaque aliment rationné. À cause de la pénurie du sucre, les restaurants avaient peu à offrir. Je me rappelle une période où tout ce qu'on pouvait obtenir avec quelques sous dont on pouvait disposer étaient des paquets de gomme d'épinette. Ça avait au moins l'avantage de prévenir les caries et de contrôler le diabète. Papa allait à la messe chaque matin, 6 heures. C'est ce qu'il fit toute sa vie. Une de ces punitions qu'il nous imposait était l'assistance à cette messe matinale, souvent parce qu'il s'y ennuyait d'y aller seul, surtout l'hiver. Il nous réveillait vers 5h30, rappliquant dans notre chambre en tambourinant sur une casserole d'acier jusqu'à ce que nous sortions du lit. Il n'y a rien que je trouvais de plus dur à cette époque que de m'arracher l'hiver à la chaleur du lit pour revêtir en vitesse mes vêtements glacés. Les filles, plus chanceuses, ont été épargnées de ces contraintes. Si la messe forcée le matin me pesait beaucoup, par contre, il n'y a rien à cette époque que j'aimais mieux que de dire la messe à la maison avec des amis comme servants. J'utilisais comme vin de messe une des bouteilles qui se trouvait dans la cave lorsque nous sommes arrivés à notre nouvelle demeure à Mont-Laurier. Cette cave, de 4 pieds de hauteur au plancher de terre, n'était à peu près pas chauffée. C'était le caveau idéal pour conserver patates, carottes et autres légumes durant la période hivernale. De plus, elle servait d'entrepôt aux beignes, aux tartes, tourtières, gâteaux et aliments de toutes sortes, surtout dans le temps des fêtes. De plus, maman y entassait toutes ses conserves. Le reste de la cave servait à entreposer le bois de chauffage pour la fournaise de briques, qui était tellement inefficace qu'elle brûlait son bois trop vite au début de la nuit, et papa devait se lever à 5 heures du matin afin de repartir le feu et réchauffer les lieux avant que la maisonnée ne se lève. Le rituel du lavage du samedi soir. Ça donnait lieu à une bataille entre frères et sœurs pour occuper le bain et surtout faire chauffer l'eau, ce qui était particulièrement problématique. En effet, nous n'avions pas de chauffe-eau. Nous devions remplir des seaux ou des cuves, les installer sur le poêle à bois durant des heures. On se contentait la plupart du temps d'eau tiède. À partir d'une certaine période, nous avons pu profiter de l'utilisation d'un petit chauffe-eau électrique un peu plus gros et ayant la forme d'un beigne. Il était d'une efficacité déplorable et prenait un bon 2 heures pour chauffer 2 pouces d'eau du bain. De plus, étant donné que les fils électriques n'étaient pas complètement isolés au raccord avec les éléments, on aurait pu facilement s'électrocuter car on prenait en effet un léger choc en trempant le doigt dans l'eau. Mais nous fûmes heureusement protégés d'un malheur éventuel. Quelqu'un a dû veiller sur nous. Papa nous gratifiait à l'occasion de récits plus ou moins mythologiques de son cru et se faisait un plaisir de les raconter à satiété à tous ceux qui avaient l'occasion de nous rendre visite. Il y avait, près de l'entrepôt garage, abritant des outils et accessoires pour les feux de forêt, un mât d'environ 60 pieds de hauteur qui servait à faire sécher, en les suspendant, les boyaux de tissu qui avaient servi à éteindre des incendies récents. Papa racontait que lors d'un gros orage quelques années auparavant, le tonnerre était tombé sur le mât. Papa était sorti pour constater les dégâts. Il vit, gisant sur le sol près du poteau, un vieux tonnerre tout sale, couvert de suie, courbaturé,
et encore assommé par son aventure. Il était revêtu d'un vieux capot de poil de rat musqué tout élimé. Papa l'aida à se relever et le soutint jusqu'à la maison. Il le fit asseoir dans un grand fauteuil et maman lui apporta un gros bol fumant de soupe au pois. Quelque temps plus tard, rétabli de sa chute, prenant la porte sans un mot, il se retourna vers mes parents et leur jeta un regard de reconnaissance d'où perçaient de petits éclairs comme seuls les tonnerres non malicieux peuvent lancer. Il n'est jamais revenu depuis. Un coin de rue de notre maison se trouvait une usine hydroélectrique sur le rapide de l'Orignal. Elle existe encore aujourd'hui et porte le nom d'Électrique de Mont-Laurier. À cette époque, c'était un des lieux privilégiés de nos aventures et de nos jeux. Nous courions à l'intérieur du bâtiment autour des turbines, dans les bureaux du gérant et dans les bureaux des assistants. On y jouait à la police et aux cow-boys. On faisait de l'équilibre sur une passerelle de 6 pouces de large qui surplombait la sortie des turbines. On pêchait les dorés et brochets pris dans des trous au fond du bassin lors de son assèchement périodique, servant à nettoyer les grilles d'alimentation des turbines. Le surintendant de l'usine, Jean-Baptiste Ride, habitait juste à côté dans une maison qui est la première résidence de Mont-Laurier, qui avait été construite par Solé Malix, le fondateur de la ville. Cette maison de poutre à queue d'aronde est aujourd'hui classée maison historique et les descendants de M. Ride y habitent encore. Ce dernier nous a toujours laissé libre de circuler partout dans le bâtiment hydroélectrique et même à l'extérieur. Il ne nous a jamais fait quelque remarque que ce soit à propos de nos jeux gambades ou cris de toutes sortes. Sa patience a toujours été pour moi un très grand mystère et je garderai toujours un bon souvenir de ce calme bonhomme. Un jour de printemps, alors que nous nous baignions en cachette du paternel, nous vîmes penchés sur le garde-feu du pont un des frères Scott, William, qui promenait Gilbert Cloutier sur la barre de sa bicyclette. Nous étions entrés dans l'eau avec nos combinaisons d'hiver, car l'eau était encore très froide. Scott nous cria qu'il allait avertir nos parents. Nous nous sommes dépêchés d'enlever nos combines trempées et de nous habiller avant que papa arrive. Nous avions confié nos sous-vêtements à Hervé Boivin et son frère Réal en leur disant de nous les apporter discrètement plus tard. Papa arrivé, nous lui avons assuré que nous ne faisions que jouer dans ce coin-là. Il se borna à nous ramener à la maison. Mais les frères Boivin avait décidé de nous jouer un tour de cochon. Et une heure plus tard, ils arrivèrent à la maison avec les combinaisons trempées en disant tout innocemment à papa que nous les avions oubliées sur la rive du creek. Papa nous appela, Gilles et moi, et nous eûmes cette journée-là une volée à la strappe dont nous nous sommes rappelés longtemps.
confinés à notre chambre, les deux Boivins, sous notre fenêtre, se pâmaient de rire en voyant les résultats de leurs bons coups. On se jura bien de les attraper un jour à notre tour. Maman avait l'habitude de nous donner des surnoms chaleureux pour nous démontrer son amour de mère. Mais moi, en particulier, je trouvais ça quelque peu agaçant. Elle m'affublait d'un « mon beau noir » qui contrastait avec la pudeur qu'on avait à démontrer entre frères et sœurs, notre amour ou notre affection. Même avec nos parents, surtout les garçons, nous conservions une distance froide qui, j'en suis convaincu, affectait maman grandement, elle qui était si affectueuse, si démonstratrice. Raymond, qui avait le don de nous agacer ou nous faire enrager, avait trouvé ce qualificatif précité un bon moyen, un moyen idéal de me mettre hors de moi. Il s'assoyait en face de moi à la table, me regardait dans les yeux et me disait de la façon la plus baveuse possible « Ah, mon beau noir !» en caricaturant maman et le répétait jusqu'à ce que, rendu au point d'ébullition, je lui lance à la face le couteau que je serrais de ma main droite. Mais chaque fois, vite comme l'éclair, il se baissait la tête et le couteau allait s'écraser sur le mur de la cuisine. Ma mère, exaspérée, appelait papa en disant « Rodolphe !» Papa n'avait qu'à nous regarder un instant d'un air sévère pour que nous cessions un bon moment notre petite guerre. Aimait bien aussi, sachant que ça me rendait furieux, me rentrer son index dans les côtes à répétition en me disant « Richard! 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 » à chaque coup de doigt, jusqu'à ce que je saute sur lui pour le frapper. Je ne lui ai jamais gardé rancune, en réalité, car j'avais une certaine admiration pour ce frère aîné, que j'ai d'ailleurs conservé jusqu'à l'âge adulte. Je suis assuré que lorsqu'il entendra ceci, il va sûrement tomber à la renverse et un peu plus, j'espère.